Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélisère. Je vous dis, c'est vendredi 17 novembre 2023. Il y a un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous capables de voir quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Et surtout, ça, Jean-Robert Philippe, qui a le pour voir avec nous, dans un petit moment-là, dans Rendez-vous Info. Tandis que semaine, ça, c'est une semaine qui était chargée avec actualité, en pile actualité, dans le pays d'Haïti et à travers le monde. Et nous avons une guerre Israël-Hamas là, nous avons un problème gang et dans le pays d'Haïti et nous avons tout et gros et sommet qui a gagné dans San Francisco. Ici, aux États-Unis, n'a pas de coopération économique ou bien commerciale Asie-Pacifique. Donc, nous avons commencé avec l'international, la guerre Israël-Hamas là, elle a dépassé 40 jours, ça veut dire dépassé plus qu'un mois pour l'entrer dans un mois et demi et dans pile et point dans Gaza qui continue à retenir attention le monde entier et déjà gain plus passé nous avons même dit 12 000 monde qui déjà mouri 11 000 plus passé 11 000 dans Gaza et puis bon côté palestinien et puis tout nous connaissons des chiffres qui dit 11 et 1200 des chiffres qui dit 1400 et même l'autre média qui parle de 1500 monde qui t'a mouri le 7 octobre les militants Hamas ont attaqué Israël. Donc, dans le moment où on a parlé de la guerre, continue dans Gaza, côté que l'armée israélienne continue à attaquer Gaza, et Gaza qui nous trouvait dans une situation vraiment difficile, et l'ONU fait qu'on est que là, que l'y obligé le bagage choix de camper avec assistance que l'État porté dans Gaza, parce que il y a un problème d'électricité, un problème de gaz. Et l'armée Israël fait d'accord que pour deux temps que gaz a entré, juste pour capable permettre que les Nations Unies continuent à faire distribution d'assistance. Et il y a un point qui domine l'actualité pendant cette semaine concernant la guerre, c'est Al-Shifa. Al-Shifa, c'est le plus gros centre médical, le plus gros hôpital qui gagne dans la ville Gaza. Et d'après l'armée Israël, t'a semblé que militants Hamas ont servi avec comme installation militaire. Mais jusqu'à présent, il y a un pile débat sur la question ça. Et côté a demandé Israël plus de preuves, bien que Israël ait quelques preuves déjà. Mais la situation toujours été en pile discussion, en pile conflit, en dans conflit. Là, nous dit conflit, il y a un conflit armé à côté. Moun ap mouri, zam ap tiré. Mais il y a un conflit tout au niveau débat. Qu'a fait sous guerre. Donc, discussion a fait et chaque gros rencontre qui gagne à travers le monde, et bien, dossier guerre apparaît là-dedans. Notamment dans l'APEC, la guerre est là-dedans. Dans l'autre gros oumblé qu'a fait à travers le monde, et bien, guerre est toujours là-dedans. Il y a les Nations Unies qui, lui-même, semaine ça, quand la sécurité qui prend une décision pour gagner une pause humanitaire, mais il y a une différence entre pause humanitaire avec cesser le feu. Pause humanitaire, c'est une façon pour permettre que tu aies un couloir humanitaire pour Gaza capable de joindre assistance humanitaire parce que pas de l'eau, un problème courant, un problème de médicaments, l'hôpital ne vient pas à fonctionner à cause de tout problème. Il y a un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, c'est là où campé, il n'y a pas tiré encore, pas d'affrontement encore. Et nous avons vu que la semaine dernière, Israël a dit que chaque jour, il t'a proposé de 4 heures de temps. C'est ça que ont discuté avec notamment le président Joe Biden qui t'a parlé de ça, mais il dit qu'en attendant, c'est ça aujourd'hui. Donc ça veut dire que qu'on y a toujours dans la région Moyen-Orient, dans la région Proche-Orient, la situation a toujours été compliquée et gagnée. Médiation KPC est faite, notamment par exemple, il y a Qatar, dans pile gros autobré, gros chef, gros leader mondial qui a gardé Qatar parce que Qatar lui-même a essayé ouais, dans quelle mesure que le cas joué un rôle de médiation. Il y a une négociation tout cas faite concernant otages. Et nous connaissons que Hamas a déjà gagné deux, il était délagué et quatre otages, mais il y a une discussion qui a fait et il y a table font échange au boucantage. Hamas proposait pour gagner 5 jours cessez-le-feu pour permettre que Gaza où ils joignent assistance
et yo t'a bailler 70 otages. Donc ces négociations jusqu'à présent qu'a fait sous et causé ça. Pendant ce temps tout grand pile solidarité qu'a fait des deux côtés, gain solidarité qu'a fait et bon côté Israël. Par exemple semaine ça a gain plusieurs dizaines de milliers moun qui étaient fait manifestation devant la zone Congrès américain pour yo porter un soutien par Israël et te gain plusieurs gros autobrés que ce président et notamment le speaker of the house était là et puis pas un paquet l'autre gros chabrak nan Congrès yo même tout était là nan et marche pro palestinien pro israélien mais tout est gagné et te gain marche mais à un degré moins de pro palestinien te même gain un vigile. Avant hier soir, vigile là nous voulait dire que pendant te fait noir, eh ben moun yo te vini avec baleine nan men yo, côté que yo même yo vini porter un soutien ba Israël. Donc à travers le monde, gen soutien k'ap bay pour Israël, mais gen soutien tout k'ap bay pour Palestiniens yo pendant ce temps, eh ben guerre a continué dans région Moyen-Orient qui vient tourner yon en zone de guerre et Al-Shifa, c'est non ça pour nous retenir parce que lui-même c'est l'hôpital ça côté que eh ben était encerclé à un moment et la mais Israël était encerclé et Timoun était dans problème Timoun qui fait donc c'est une situation catastrophique au point que Nations Unies et Valerio Selvi depuis New York t'es parlé nous de résolution ça que Nations Unies prend pour demander une pause humanitaire et pour Gaza. Et puis l'autre gros point d'actualité c'est définitivement et sommet APEC là et c'est un sommet coopération commerciale ou bien économique Asie Pacifique et dans occasion ça nous avons rencontré deux représentants de pigo économie mondiale n'a parlé de président Joe Biden avec et président chinois Xi Jinping nous avons rencontré dans San Francisco monsieur Obai la main. Et on dit déjà, c'est déjà un bon signe le fait que monsieur yo rencontré. Et on dit que c'est la première fois aux États-Unis recevoir ce sommet ça depuis 2011. C'est ce sommet APEC là. Et à titre de président, on tout dit que jodi a sommet a fini. Et qu'on y a c'est Pérou que yo passé et Maï à Bali parce que Pérou vient tourner qu'on y a. C'est lui qui a dirigé et APEC là qu'on y a. Et dans l'occasion, le président Joe Biden, qui est président pays hôte là, eh bien, le président qui a recevoir, nous l'avons dit, eh bien, lui-même, il a rencontré avec plusieurs mondes, il a rencontré avec plusieurs personnalités, surtout dans le contexte perspective Indo-Pacifique là, parce que chaque pays, ça a essayé de convaincre l'autre que c'est hippie bon pour eux, pour faire commerce. Mais il y a une déclaration que le président chinois a fait, Xi Jinping dit, il dit que planète Terre la grand assez, pour que deux gros économies, et yo, tous les deux, a fait succès, pas de problème dans ça. Et donc, et il y a un résultat que vous avez avec, c'est que, mais qu'on y a deux messieurs d'accord que dans n'importe quelle émergence, en urgence, il y a un bagage qui est obligé de parler, et bien, il a parlé à bon téléphone, et bien, le président Joe Biden est capable de Xi Jinping, Xi Jinping est capable de président Biden. Mais le président Biden dit que le temps remet que la relation est plus bon, la communication est plus bon entre le président Xi avec le gouvernement américain. L'autre point que nous sommes capables de signaler dans le cadre du sommet APEC là, et le président Joe Biden qui rencontre tout. Il rencontre tout avec le président sud-coréen, il rencontre tout avec le premier ministre japonais. Et un point qui est très important, peut-être que Haïti Carole la donne, c'est que le président Joe Biden rencontre avec Manuel Andrés López Obrador. Et qui c'est président pays Mexique. Nous connaissons que dans le moment où on a parlé là toujours un problème immigration sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Et jusqu'à présent, eh bien, il y a pile de migrants latino-américains et la donne des haïtiens, ils ont même essayé dans quelle mesure qu'ils sont capables de traverser frontière. Et deux messieurs, deux leaders, deux tocayo, Joe Biden avec López Obrador, ils ont rencontré dans l'occasion finissement sommet APEC là qui était un gros événement international qui réunit un paquet de grands
et là nous dit grand paquet gros économie, notamment les États-Unis et la Chine, le Japon est là et nous connaît toute importance politique tout qui gagne, bien que son coopération, disons coopération économique et commerciale, mais nous connaît tout la donne guerre politique et autre la donne, notamment guerre question immigration. Donc sommet APEC là fini jeudi a été déroulé dans San Francisco ici aux États-Unis et les États-Unis passaient Maya by Pérou. Pérou qui lui-même jeudi a pral prend tête la présidence de APEC qui c'est coopération et commerciale Asie Pacifique. Et puis l'autre point dans l'actualité, nous allons rentrer dans l'actualité concernant Haïti. Eh bien, Jean-Aubert Philippe Pralgué pour développer tout point ça que nous sommes là, avec plus de détails même, détails et images bien sûr. Eh bien, gagner et gang qui continue à simer l'intérêt dans le pays d'Haïti, plus précisément dans la capitale là, dans la capitale là, Port-au-Prince. Mercredi qui s'est passé là, monsieur yo font varer sur l'hôpital. C'est l'hôpital, c'est le centre hospitalier de Fontaine. Et bien, nego fait des ordres, moun obligé courir quitter kayo, al réfugié et la police lui-même est intervenue. Et là, nous capable sur site police nationale là, côté que yo obligé font intervention pour sauver 40 moun et 70 et malade et al météo non côté privé côté que yo sécurité. Et puis hier coordonnateur humanitaire par intérim en parlant de Bruno Maes s'était rencontré avec famille avec timounio avec personnel et centre là dans yo quartier pour capable pour être capable dans quelle mesure que Nations Unies qui ça le dit non causer ça. Et puis l'autre point dans actualité a gain juge Walter Wesser Voltaire. Juge Walter Wesser Voltaire, c'est juge d'instruction qui a mené enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et bien, lui-même, il sortit une ordonnance pour que le deal, il voulait rencontrer avec, dans le cabinet d'instruction, M. Léon Charles, qui est actuellement représentant permanent du pays d'Haïti par devant l'OEA. Nous connaissons que Léon Charles, qui était ancien, qui était directeur général de la police nationale, là, dans le moment assassinat président et Jovenel Moïse là, et même d'après information autour d'après rapport et bien, président Jovenel Moïse t'a relé ancien directeur à deux fois. Il était déjà paraît devant juge d'instruction déjà, mais qu'on y a juge d'instruction sorti une ordonnance pour lui t'attendre monsieur Léon Charles qui est actuellement ambassadeur pays d'Haïti par devant l'OEA. C'est pas lui même seulement, il demandait tout pour t'a joindre tout secrétaire général par le national là Josué Pierre-Louis, et je parle de troisième monde qui c'est directeur général bureau monétisation en parlant de Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur. Donc, c'est des informations que le juge d'instruction a besoin dans main monde ça nous connaît que yo pas parler en pile de Joseph Félix Badio que qui actuellement en prison que même il était déjà il était passé plusieurs fois devant le juge d'instruction. Donc, situation a évolué, nouveau développement dans enquête sur assassinat président Jovenel Moïse là. Donc et juge Walter Wesser Voltaire continue à marcher dans direction yon rapport final, parce que grand pile et spécialiste qui dit que eh ben il y a trop de temps li sous rapport ali sous dossier te doit sortir un rapport, mais ça nous capable retenir c'est que gen ordonnance qui sorti, ordonnance sorti côté que lui mandé pour le et premièrement monsieur ambassadeur Léon Charles, secrétaire général par national la Josué Pierre-Louis avec directeur général bureau monétisation fils aimé Ignace Saint-Fleur. Et puis l'autre point que nous capable signaler tout que question MMSS là qui c'est mission multinationale soutien pour sécurité dans le pays d'Haïti. Et nous connaît que gagné parlement pays Kenya lui même qui approuvé déploiement force police là dans pays d'Haïti. Nous te gagné tout et la voix de l'Amérique te gagné occasion parler de ça avec Brian Nichols qui sont officiels dans le département d'État, et il dit que gagné progrès qui fait avec approbation que rejoindre dans parlement pays Kenya
c'est un avancement qui fait. Il parlait de 250 millions de dollars que les États-Unis a bailli et il y a tout cap à poter coller dans la question. Ça. Et puis il y a l'autre ULCC qui sortit un rapport et dans le rapport, ça, il y a un pile gros nom qui cite la donne ou bien pour détournement de fonds ou bien moun qui pas bail qui pas de faire déclaration patrimoniale et autant de points. Donc ULCC c'est n'a essayé joindre rien de mon reportage avec Yves Manuel mais n'a essayé ouais dans quelle mesure que nous capable joindre et plus réaction sous rapport ULCC parce que yo l'ont mené en pile notamment et Yuri la Tortue, Joseph et Lambert, William Joseph, yo paquet non que yo même yo t'a associé yo avec corruption. Donc n'a essayé ouais dans quelle mesure que correspondant dans le pays d'Haïti, nous déjà parlé avec Yves Manuel, correspondant dans Port-au-Prince, qui lui m'a fait suivi côté que il va gagner réaction moun sa yo. Donc c'est en gros ça nous parle ouais et jodia, mais jodia tout nous voulait signaler yon moun pa nous qui fêter anniversaire qui c'est un gros tonton fanatique et VOA créole n'a parlé de Marie Lacadet. Marie Lacadet a fêté jodia mes amis et dem di Marie Lacadet bonne fête. On nous dit Marie Lacadet bonne fête. Pas Marie Lacadet en bas live là. Pas contre si moi-même l'île là même pas elle mais n'a salué. Nous connaît que VOA créole remet tout moun palio, toutes amis yo qui toujours prend plaisir avec petit causé avec Jean-O. Chaque matin nous connaît Jean-O lui-même, il va joie à ça. Chaque matin monsieur fidèle au rendez-vous, il est toujours et avec nous. Donc Jean-Aubert sorti lundi pour arriver vendredi ou avec Jean-Aubert. Moi-même, ou quand je m'en lève vendredi tant qu'aujourd'hui là, mais Jean-Aubert c'est son fidèle lié. Donc nous remercions nous à camper là, nous croyons que pas oublier à 4 tapons, n'a bien Jean-Aubert Philippe cap gain pour le présenter nous. Rendez-vous info. Merci pour fidélité nous avec VOA créole. Continuez kembe là dans période fête là nous pral gain gros affaires, nous pral gain programme spécial. Donc restez branchés pour nous capable gain toute information mais pour nous capable gain moment de plaisir tout parce que c'est ça chef service là Sandra Lemaire dit c'est ça m'entendez le dit il dit pral gain belle bagaille pour fête fin d'année. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Nous saluons et Fred Kaimit qui l'autre boa et mais qui toujours avec. Donc bonsoir Jean Audner, bonsoir Tressil Ivinel, nous souhaitons me prononcer bien et tout l'autre monde qui était branché dans moment ça, pas oublier et Jean-Robert toujours dit il va le dire nous li, nos îles Angelo, nous saluons Wilgens jeudi et joyeux anniversaire pour Marie Lacadet, oui c'est ça et au 7 Calixte. Et merci d'être que vous branchez. Nous saluons tout le monde. Mais les arrivés pour aller, habitants va miser la ville. Et Michael Sipierre, merci d'être que vous branchez. Madame Jean-Baptiste, non? Madame Jean-Baptiste Gladys et Saint-Louis Mbawel. Donc nous dit Fenel, merci. Jean Dieu nous là, merci en pile. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Jean-Aubert Bral dit nous, si n'a pas conduit, pas ouais. Si n'a pas conduit, parce que la route tue et blesse, c'est ça, on dit. Merci beaucoup, moi c'est Jacques Lebelizer. C'est un plaisir, une autre fois encore pour nous être avec vous. Passez un bon week-end.